on aimerait que vous facilitiez la tâche pour que vous puissiez trouver votre emploi là-bas. Nous le faisons de façon totalement bénévole. Il n'y a pas d'argent que vous devez payer à nous. On aime. Personne ne va vous demander. Votre force, c'est de trouver le transport pour venir et vous inscrire en ligne. L'ONEM s'en est occupé parce que, un, l'ONEM a parmi ses missions l'accompagnement des demandeurs d'emploi, de ceux qui cherchent du travail. Ici, l'ONEM a mis tous les moyens pour vous aider à vous inscrire. Et nous, en tant que l'ONEM, nous avons envie de comment est-ce que vous aurez à rédiger ce modèle de CV québécois en ce moment pour leur standard. De toutes les façons, j'ai reçu un appel de l'ONEM me demandant de passer aujourd'hui dans les centres britanniques et ils m'ont précisé concernant l'offre si je souhaiterais aller travailler au Québec comme infirmier. Alors, c'est comme ça que, comme j'avais aussi reçu l'information avant de cette offre-là, bon, je me suis imaginé qu'il y a un grand frère qui m'a envoyé cette offre. Mais comme on est m'appelle, moi je vais là-bas parce que là j'aurai des bonnes informations. Ce que je pourrais dire aux gens qui voient que l'ONEM fait du favoritisme, ils se trompent. Alors l'ONEM ne fait qu'aider les gens qui n'ont pas du travail à trouver du travail. Et puis je vais demander aux gens qui n'ont pas jusque-là leur carte de l'ONEM, de vraiment hâter d'en avoir parce que c'est vraiment bénéfique. Je dirais que toutes les félicitations sont adressées au comité de direction piloté par Madame le directeur général et Dr Angélique Ipoudi, qui dans ses contacts a pu dénicher cet important projet d'embauche des infirmiers au Québec.